Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un big haul. Je tiens vraiment à vous le préciser parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est tout simplement un haul grossesse. Donc, il y a quelques petits make-up que je vais vous montrer en premier temps que j'ai reçu. Et après, on va passer vraiment à la grosse partie puisque, comme vous savez, je suis enceinte de 5 mois aujourd'hui et j'ai énormément de fringues que je peux plus mettre et j'aimerais bien m'habiller autre que des joggings et des leggings. Du coup, j'ai acheté énormément de vêtements pour pouvoir être à l'aise et m'habiller comme je veux tout au long de ma grossesse. Donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai reçu de la plateforme Sublime ainsi que Octoly. Voilà, au moins c'est fait. Et après, on passera au côté vraiment grossesse. Donc en premier temps sur Octoly, j'ai trouvé un lot qui m'intéressait vraiment beaucoup de la marque Riva Douce. En fait c'est un gel doux lavant, corps et cheveux, nettoie et hydrate. Donc en fait c'est conçu pour les bébés, donc moi je l'ai pris pour ma fille. C'est en maternité depuis plus de 45 ans. Moi la marque Riva Douce je l'ai déjà utilisée sur mon fils, il n'y a jamais eu de problème pour ça. Donc là c'est un bidon de 500 ml, il est très gros, je vais faire vraiment très longtemps avec. Et en combo avec il y avait tout simplement l'eau nettoyante visage et corps sans rinçage, nettoie et adoucit, qui fait également 500 ml, donc c'est un petit kit comme ça que je trouve vraiment génial. Et la marque Riva Douce, comme je vous ai dit, pour les bébés, est vraiment top. Moi, tout ce qui est Riva Douce, Mustela et... il y a une autre marque aussi que j'aime beaucoup. Je ne me rappelle plus la marque exactement. Et enfin, il y a trois marques vraiment que j'aime beaucoup pour les bébés. Et celle-ci en fait partie, donc je suis vraiment très contente de l'avoir reçue. Ensuite j'ai reçu un parfum de la marque Nocibé qui est le Jazzy Dream, donc c'est collection privée de 50 ml, donc voilà au niveau du packaging comment il se présente. Alors au niveau du flacon, alors je trouve qu'il est très joli, il est simple mais ça reste un flacon vraiment très beau comme ça, transparent avec le petit nœud rose au niveau du dessus. C'est vraiment un très joli parfum, par contre en ce moment c'est vrai que les odeurs florales j'accepte un petit peu plus comparé à avant. Je me suis dit que celui-ci j'allais aimer mais finalement c'est pas une odeur, il sent bon mais c'est pas une odeur vraiment auquel j'accroche énormément. Donc je sais pas, à voir si je vais le porter ou pas, je verrai, je le testerai davantage parce que après quand on est enceinte, il y a les odeurs qui changent un petit peu aussi. Donc à voir, mais en tout cas le flacon en lui-même et tout est vraiment très beau. Ensuite j'ai reçu de la marque Chlorane, c'est une cure de 3 mois en fait, c'est pour la chute des cheveux. Donc voilà comment ça se présente. Alors faut savoir que moi je perds énormément mes cheveux, dû la grossesse c'est vrai que j'en perds un peu plus. Mais je veux dire c'est constant quoi, je perds énormément mes cheveux, surtout voilà quand je les lave, quand je les brosse. Le pire c'est quand je les lisse. Du coup je me suis dit que j'allais tester ce produit là, donc en fait c'est tout simplement un spray que l'on doit mettre au niveau des racines, donc je l'ai testé déjà 2 fois. Vous mettez ça au niveau des racines et un petit peu au niveau des longueurs, vous massez bien et vous passez donc à votre brushing traditionnel. Et normalement ça devrait limiter donc la chute des cheveux, donc c'est un format de 125 ml et voilà c'est à base de kératine. Kératine, quinine, caféine et vitamine B. Donc ça je peux pas vous en parler plus que ça parce que je suis en plein test, à voir après avec le temps si ça marche réellement. Ça sera quelque chose que je pourrais réellement vous dire mon ressenti dessus puisque je perds énormément mes cheveux. Donc je vais très vite voir la différence. Pour terminer avec Octoly, j'ai eu la chance de pouvoir recevoir 2 produits de chez MAC. Donc autant vous dire que je suis très contente. Donc en premier temps j'ai reçu un mascara qui est le Bald and Bad Lash. Donc c'est un mascara pour les cils supérieurs et inférieurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un mascara que j'aime beaucoup, après moi j'ai des tout petits cils, donc c'est vrai que c'est chiant pour trouver vraiment un mascara qui me corresponde. Au niveau du packaging, il se présente comme ça, il est très joli par contre, il est magnifique, c'est... Au niveau du packaging, franchement c'est bien travaillé, au niveau du toucher ça fait style velours en fait, c'est en relief. Et ce qui est bien avec ce mascara là, c'est que vous avez donc une grosse brosse qui est ici, qui est une brosse en poil, qui est très bien. Et vous avez également au-dessus, donc là où c'est rouge, vous dévissez et vous avez une mini brosse, mais vraiment toute petite, justement pour les cils inférieurs. Donc ça c'est top, au moins ça évite qu'on en foute partout. Et je l'aime bien, franchement je l'aime bien, après voilà, à voir sur long terme. Parce que c'est vrai que des fois les mascaras, moi je les aime pas trop au début, mais je les aime bien à la fin. Là pour le moment ça va. Et j'ai également reçu donc un blush, alors celui-ci je fais que le porter depuis que je l'ai reçu, c'est la marque Hushed Tone. Et c'est de la gamme Extra Dimension Blush, tout simplement. Il est trop joli. Donc au niveau du packaging, je pense que vous connaissez toutes maintenant les packagings de chez MAC. Et au niveau de la couleur, il est magnifique.
Il est vraiment très 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 beau. C'est une sorte de... Enfin, c'est dur. C'est un peu brique, un peu rosé, un peu orangé. En fait, c'est un peu compliqué à vous décrire la couleur. Par contre, je vais pas vous les swatcher. Mais la couleur est vraiment magnifique. Elle est bien pigmentée. Ça fait franchement des pommettes très jolies. Donc ça, j'en suis ravie. De toute façon, j'ai jamais été déçue des produits de chez MAC, en règle générale. Tout pour Octoly, ensuite de la part de Sublime. Donc Sublime, c'est un site conçu pour les youtubeuses où en fait dessus on poste nos vidéos tout simplement. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous êtes youtubeuse et de temps en temps ils lancent donc des challenges, vous avez des produits à tester, etc. Donc là j'ai eu l'occasion de tester ce produit-là qui est une brume intense purifiante de la marque Palmurosa. C'est à l'aloe vera et au green tea et ça fait 200 ml. Donc c'est tout simplement en fait une petite lotion que vous mettez. Soit en fait pour parfaire votre démaquillage le soir ou le matin pour vous rafraîchir le visage. Ça va faire une petite semaine que je le teste. J'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur, c'est quelque chose d'assez neutre. Ils disent que c'est, alors attendez, idéal au coucher pour parfaire le démaquillage et le matin pour enlever l'excès de sébum produit pendant la nuit. Ce véritable soin fraîcheur dynamise l'épiderme en prenant soin de la peau les plus sensibles. Donc ce produit j'aime bien, après voilà, ça fait pas longtemps que je le teste aussi, donc je vais le tester sur long terme et je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais en tout cas pour le moment je l'aime beaucoup, c'est très rafraîchissant, donc sur ça il n'y a aucun souci. Ensuite donc j'ai commandé quelques piercings, puisqu'en fait j'avais plus de piercings à la langue, et du coup j'en ai profité pour commander quelques piercings également. Donc en premier temps, alors c'est sur le site, alors je sais plus sur quel site c'est, j'essayerai de vous retrouver le site et je vous le mettrai en barre d'infos. Donc en premier temps, je me suis tout simplement pris des petits piercings au nombril, à la langue comme ça. Donc c'était un petit lot, vous avez toutes les couleurs, vous avez blanc, rouge, bleu, rouge, noir, vert, transparent. Enfin, c'est des piercings à la langue, voilà, de toutes les couleurs. J'ai également acheté celui que j'ai actuellement sur moi qui est couleur acier, qui est les piercings que je préfère. J'en ai également pris un blanc tout simple comme ça avec la boule en acier également. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Et j'ai également pris donc le piercing que vous voyez ici. Bon, vous le verrez peut-être pas très bien, mais je me suis repris un piercing, pardon, ici parce que j'en avais plus. Et c'est vrai que ce piercing-là, un coup j'enlève, un coup je le remets. Ça dépend des jours. Donc là, pour le moment, ça fait un petit moment que je l'ai, donc c'est top. Et je me suis pris également deux piercings en nombril, puisque, pardon, les piercings en nombril, quand on est enceinte, bon, il y en a, ça fait rien, mais il y en a, ça leur déglingue complètement le nombril. Moi, je sais que j'ai fait la bêtise de le garder pendant la grossesse de ma fille. Mon fils, je l'ai gardé, mais ça m'avait rien fait. Mais ma fille, ça m'a complètement abîmé. Et du coup, là, c'est vrai qu'au niveau du piercing au nombril, quand je mets des piercings traditionnels au cours, ça commence à me tirailler un petit peu. Du coup, j'ai voulu prendre deux piercings au nombril spécialement grossesse. Alors, je les ai jamais mis, enfin, je les ai essayés, mais après, c'est vrai que ça fait vachement long. Alors, je sais pas si on peut couper la tige un peu. Donc le premier il est comme ça, c'est un petit ourson en fait avec des strass roses, j'essaierai de vous faire un zoom. Et après vous voyez la tige elle est vachement longue, elle est vachement longue, mais après le piercing en lui-même franchement il est super mignon quoi, le petit ourson comme ça rouge je le trouve super joli. Et j'en ai également pris un deuxième qui est en fait un petit papillon, alors attendez, qui est également rose, comme ça. Donc pareil au niveau de la tige elle est très très longue. Donc ça, il faut que je regarde si on peut couper un peu la tige, parce que c'est vrai que là, je ne me vois pas les mettre, en fait, ça fait un petit peu trop long. Donc, maintenant, on va passer à un dernier bijou, et après, on va passer aux vêtements. Donc, je me suis tout simplement pris un bola de grossesse. Alors, j'en voulais un absolument, puisque j'en ai jamais acheté pour mes deux premières grossesses. Et là, je me suis dit que j'allais en acheter un. Et finalement, enfin, je le mets pas, parce que c'est pas un bijou, en fait, que... En fait, ça descend très très bas, ça fait du bruit. Et je sais pas, ça passe pas avec tout, donc bon, je le porte pas, je le porte vraiment pas souvent. Donc au niveau de la chaîne, elle est dorée, et vous avez tous les styles hein, de bola. Moi je trouvais celui-là super joli, mais c'est vrai que je le porte pas très 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 souvent. Je l'ai payé, je crois, 20 €. Donc vous voyez, c'est très très long, ça descend vraiment au niveau du nombril. Et au niveau du bijou, il est comme ça. Donc je sais pas si vous allez voir, je vous ferai des zooms également. C'est tout simplement en fait une petite aile d'ange, et vous avez donc la boule avec les petits pieds de bébé dessus. Donc il est noir et doré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que la boule a fait que tourner. Là je pense que vous voyez bien les deux petits pieds. Et vous avez également donc la petite aile d'ange. Donc il est joli en soi. Ça fait gling gling. Donc le bruit c'est à la base conçu pour apaiser bébé. Donc voilà, c'est joli et tout. Mais c'est vrai que je le porte jamais quoi. Donc c'est un petit peu un achat inutile finalement.
Bref, maintenant on va passer à tout ce qui est vêtements. Et là, autant vous dire qu'il y en a. Donc prenez vraiment un petit café, des petits gâteaux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en premier temps, j'ai commandé autour de bébé. Donc ça, je l'ai déjà porté. Donc j'ai juste gardé, désolé pour le bruit, l'étiquette pour le prix. Si ça y est, je ne sais même pas si le prix il est dessus. On va voir. Je suis même pas sûre. Il n'y a pas le prix en fait. J'ai gardé, mais il n'y a pas le prix. Je crois que ça m'avait coûté une trentaine d'euros. J'ai tout simplement pris en fait un pyjama, puisque j'ai pas forcément de pyjama très joli. Ou alors les t-shirts me montent au-dessus du ventre et tout, avec le gros bidou. Du coup, voilà, j'ai voulu prendre vraiment un pyjama de grossesse. Et c'est aussi un pyjama qui va énormément me servir pour la maternité surtout. Donc au niveau du haut, il se présente comme ça. Donc j'ai acheté l'ensemble, hein, c'était vendu vraiment ensemble. J'essaierai de vous mettre une petite photo ici que vous pouvez voir sur le site. Par contre, au niveau de la couleur, je m'attendais à un bleu marine beaucoup plus foncé. Là, c'est plus un bleu gris, mais après, c'est très joli. Donc au niveau du haut, ça se présente comme ça. Donc ça a bretelles fines. C'est réglable au niveau du devant. En fait, vous pouvez nouer le nœud. Et voilà, après ça part un peu en froufrou, donc ça descend vraiment en dessous du ventre, hein. Sur ça il n'y a aucun problème, c'est très léger, la matière est très très douce. Donc si j'ai le temps, j'essaierai de tout vous porter et vous faire des petits close-up pour vous voyez un petit peu les vêtements portés, comment ça donne. Mais je vous le promets pas, on verra si j'ai vraiment la motivation. Et au niveau du bas, alors vous avez bien sûr le pantalon. Donc comme vous pouvez voir, vous avez ici la petite ceinture conçue pour le ventre, c'est super à l'aise. Franchement vous êtes trop 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 bien dedans, pour aller à la maison, pour dormir et tout, c'est super agréable. Donc voilà, au niveau du bas, comment il se présente. Après c'est un pantalon tout simple, et ce qui est bien c'est qu'au niveau du bas c'est resserré, donc vous marchez pas dessus, ça prend vraiment au niveau de la cheville quoi. Donc le petit pyjama comme ça, franchement je l'ai payé une trentaine d'euros, mais on est trop trop bien à l'aise dedans, sur ça il n'y a aucun problème. Et toujours sur le site autour de bébé, je me suis pris une nuisette en fait, pareil pour la maison mais aussi pour la maternité. Donc celle-ci je ne l'ai pas encore portée et je crois pas qu'il y a le prix, et je crois que ça coûtait une vingtaine d'euros. Et je la trouve trop jolie, donc elle est en différents coloris, moi je l'ai pris en noir. Donc voilà le devant comme il se présente. Donc ici vous pouvez décrocher justement pour l'allaitement, vous avez l'empiècement exprès pour allaiter votre bébé. Donc c'est pour ça que je l'ai pris également, c'est beaucoup plus pratique que tout enlever. Donc voilà au niveau du devant comment elle est. Après elle est très longue, hein. Je ne l'ai pas testée, je ne sais pas encore jusqu'où elle tombe, mais elle est très jolie, franchement j'aime beaucoup. Et au niveau de l'arrière, vous avez un petit nœud au milieu du dos, et ici c'est tout en dentelle. Cette nuisette est trop jolie, et je pense que franchement c'est le genre de choses que vous pouvez même garder sans être enceinte. Enfin, après l'accouchement, bon si vous allaitez c'est parfait, mais même si vous allaitez pas, franchement je pense qu'on peut le garder. Ensuite sur, alors je sais plus si c'est verbaudé, il me semble que c'est verbaudé, j'ai pris des collants parce que les collants traditionnels c'est juste super chiant, ça serre au niveau du ventre, on n'est pas à l'aise dedans. Du coup je me suis dit je vais quand même acheter des collants spécial grossesse, ça sera beaucoup plus pratique parce que moi j'aime bien mettre des petites robes etc. Donc en premier temps j'ai pris un collant comme ça, donc je ne les ai pas encore déballés. J'ai pris un collant comme ça, noir, vraiment très opaque. Voilà. Donc je crois que les collants m'ont coûté même pas 10 euros. Ou peut-être 10 euros, mais pas plus. Parce qu'il n'y a pas le prix encore une fois sur les paquets. Mais je crois que ça coûtait moins de 10 euros. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc j'ai pris un collant comme ça, opaque, noir. Et j'ai également pris un lot de deux collants. Donc là, vous n'allez pas forcément les voir. Mais en fait, c'est deux collants marron comme ça. Mais vous en avez un petit peu plus clair et un comme ça. En fait, voilà. Un lot de deux collants. C'est bien pratique. Au moins, on est à l'aise. On n'est pas toute serrée. Donc c'est tout ce que j'ai acheté neuf. Ensuite, j'ai acheté que de l'occasion. Parce que faut savoir que les vêtements de grossesse coûtent quand même très cher. Si on veut acheter vraiment dans les magasins spécialisés grossesse, ça coûte très très cher. Même qui est habillé tout ça, je veux dire 20 euros un pantalon, en sachant qu'on va le porter même pas un an, ça m'embêtait vraiment de mettre super cher. J'avais regardé un petit peu sur internet, j'avais fait une liste, mais j'en avais eu pour plus de 300 euros. J'ai fait non, 300 euros pour des vêtements, oui, mais pas pour des vêtements de grossesse, surtout que c'est pas le genre de vêtements que vous allez garder tout le temps, quoi. Donc j'ai préféré acheter de l'oca, c'est pas des vêtements abîmés, enfin vous allez le voir. Donc je pourrais pas vous dire sur quel site je l'ai acheté, mais j'ai acheté une petite partie, je crois que j'ai acheté juste des pantalons. Je crois que c'est, je vais vous montrer, je crois que c'est que les pantalons que j'ai acheté sur Babystroke 11. Je vous en avais déjà parlé brièvement
suite à mon dernier haul bébé, que je vous mettrai également quelque part ici si vous voulez aller le voir, où j'avais acheté des trucs pour mon bébé tout simplement. Et là, une femme vendait des jeans, des pantalons, du coup j'en ai eu pour 30 euros. Donc je lui ai envoyé, je crois, 40 euros, je crois, pour qu'elle puisse me les envoyer. Donc 40 euros pour 1, 2, 3, 4, 5 pantalons. Autant vous dire que ça vaut carrément le coup. Donc au niveau des tailles, j'ai pris un peu toutes les tailles en fait, parce que le pantalon que j'ai actuellement sur moi, que je vous ai montré dans mon dernier haul, c'est un 42. Donc là, il y a du 42 et il y a du 38 et il y a du 40, il me semble. Moi, je rentre dans les 3, personnellement. Le 42 me va un petit peu plus grand, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la grossesse, on est quand même à l'aise dedans, donc ça ne me dérange pas. Donc le premier jean, il est comme ça. Donc voilà, vous voyez, vous avez la ceinture ici pour mettre le bidou, pour mettre votre bidou, tout simplement. Après, il faut savoir que les pantalons de grossesse, c'est vraiment très élastique. Donc si vous mettez du 38 à la base, prenez du 38 en pantalon, ça rien, ou peut-être allez, une taille en... au-dessus si vous souhaitez, mais ça vous ira forcément parce que c'est quand même très élastique. Donc au niveau du premier jean, voilà comment il est. C'est un jean bleu marine comme ça, bleu brut, tout simple. Donc celui-ci, enfin je les ai pas encore portés, je les ai essayés, c'est tout, mais je les ai pas encore portés, ce que je voulais vraiment vous les montrer en vidéo. Donc après voilà, c'est un jean tout simple. Donc comme je vous disais, j'essaierai de vous faire des close-up pour que vous puissiez voir un petit peu mieux les articles portés. Ensuite j'en ai un deuxième, celui-ci c'est taille, je sais pas si c'est écrit, je sais pas, bon de toute façon hein, c'est des tailles qui me vont. Il est comme ça, donc c'est un pantalon avec la petite ceinture également ici. Au niveau du bleu il est un petit peu plus clair, ça c'est le genre de jean que j'adore porter, j'aime beaucoup. Au niveau du bas il est normal, voilà, et au niveau de l'arrière... Il est comme ça, donc comme vous pouvez voir, c'est des pantalons d'occasion, mais franchement, ils sont en super bon état. Sur ça, il n'y a rien à redire. Ensuite, il y a celui-ci. Alors celui-là, je ne suis pas certaine de le porter parce que la couleur ne me plaît pas forcément. Voilà, mais on verra, je verrai ça. Donc c'est un bleu vraiment, vraiment clair en fait. Après avoir... Donc voilà, au niveau du bas, ça fait un style un petit peu délavé. Après avoir une tenue complète avec ça, je sais pas. De toute façon, je compte bien vous faire un lookbook spécial grossesse que je vous ferai une fois que j'aurai accouché, je pense, ou vraiment à la fin de... Vers janvier, février, je vous la posterai. Voilà, je vais faire... Quand je m'habillerai, si je trouve que la tenue est sympa, je vous la filmerai. Et vers la fin de ma grossesse, je vous ferai vraiment un lookbook total pour vous dire un petit peu bah, voilà, les looks que l'on peut faire quand on est enceinte. Donc si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que si vraiment ce genre de choses vous intéresse pas, ben, je vous le ferai pas, mais c'est vrai que je trouvais ça pas mal. Ensuite l'autre pantalon, il est comme ça, donc là c'est un pantalon vraiment bleu marine comme j'aime. Celui-ci c'est un 38 et la couleur je la trouve trop jolie, je la trouve vraiment trop jolie. Donc là le pantalon il est comme ça, c'est super confortable, enfin pff, moi j'adore. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a également les poches derrière dans tous les pantalons, donc ça c'est top. Et le petit dernier, ça j'ai trop bien, j'ai trop aimé parce que ça change un petit peu des jeans justement. C'est un pantalon mais couleur marron comme ça. Ça pareil, c'est le genre de choses qui va avec pas mal de choses. Et ça change également des jeans. Donc après c'est un petit peu chaud pour vous les montrer, mais après le pantalon est tout simple. Voilà, et au niveau de l'arrière, il est comme ceci. Donc voilà un petit peu pour les pantalons que j'ai achetés sur Babytrock 11. 30 euros tout ça, c'est même pas le prix d'un jean ou tout juste, vous n'aurez pas de jean avec 30 euros, ça m'étonnerait bien. Donc franchement, si vous êtes enceinte et que vous voulez vous rhabiller mais que vous voulez pas vous ruiner, achetez d'occasion. Franchement, achetez d'occasion. Et pour terminer, donc tous les vêtements que je vais vous montrer maintenant, je les ai achetés sur Vinted. Alors Vinted, je pense que vous connaissez maintenant, ça commence à être pas mal connu, même à la télé, j'ai encore vu la pub hier. Alors Vinted c'est un site pour tout le monde, hein. Vous pouvez également vous inscrire, pas besoin d'être youtubeuse ou quoi que ce soit, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ou dessus vous pouvez vendre de tout, du maquillage, après vous regardez bien les conditions, mais vous pouvez vendre du maquillage, des vêtements, des bijoux, des chaussures, des sacs, des accessoires, des accessoires de périculture pour les bébés. Enfin vous pouvez vraiment vendre tout ce que vous voulez vendre sur ce site, mis à part l'alimentaire et on n'a pas le droit. Pardon, on n'a pas le droit à la contrefaçon, ce qui est tout à fait normal, etc. Mais vous pouvez vendre énormément de choses. Et en contrepartie, vous pouvez également acheter sur Vinted. Donc ça, c'est top. J'essaierai de faire un petit close-up pour vous montrer un petit peu comment est Vinted. Et en fait, quand vous fouillez un petit peu sur Vinted, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter de suite. Vous pouvez les mettre dans vos favoris. Donc en fait, vous cliquez sur le petit cœur et ça les bascule directement dans vos favoris. Et le jour où vous voulez l'acheter, bah, vous n'avez plus qu'à aller dans les favoris et l'acheter tout simplement, à part si...
une autre personne l'a acheté avant vous. Ça, c'est à voir. De toute façon, il y a des notifications hein, quand l'article que vous souhaitez est déjà vendu, ça vous le met automatiquement. Bref, donc en fait, quand vous vendez des choses sur Vinted, vous avez plus qu'à en fait poster votre photo, etc. La personne achète votre produit. Donc vous avez, en fait, ça dépend comment elle veut que vous l'envoyez. Soit c'est par la poste, donc du coup c'est vous qui allez à la poste et vous avancez les frais de livraison. Ou soit c'est par point relais. Donc si la personne choisit point relais, une fois qu'elle a acheté, vous allez avoir une petite bandelette à télécharger. Et c'est tout simplement en fait la vignette du point relais à télécharger, à imprimer et à coller sur le paquet. Et vous n'avez plus qu'à déposer le papier, enfin le colis dans votre point relais près de chez vous. Et une fois que la personne a reçu son colis, elle valide comme quoi elle a bien reçu. Et c'est à ce moment-là que vous touchez l'argent. Donc l'argent va sur votre compte Vinted. Mais vous pouvez très bien le virer directement sur votre compte ou garder cet argent-là, pardon, pour acheter d'autres choses sur Vinted. Enfin, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Ça permet de se faire de l'argent de poche, de pouvoir se débarrasser des produits que l'on veut plus parce que Vinted, c'est quand même assez connu. Il y a quand même pas mal de monde dessus, donc il y a des chances. Et moi, je sais que j'ai vendu pas mal de petites choses et ça me permet en fait justement voilà, de me rhabiller et également d'acheter des choses pour mon bébé. J'attends également des produits pour mon bébé. J'en ai reçu un d'ailleurs, mais je vais pas vous montrer parce que je compte vous faire un deuxième haul très prochainement. Puisque j'attends énormément de choses encore. Donc sur Vinted, vous allez voir, j'ai acheté énormément de choses à bas prix. Donc en premier temps, je me suis pris un petit pull comme ça. Donc je ne sais pas si tous les produits sont vraiment maternité, mais il y en a pas mal, oui. Donc là, j'ai pris un petit pull comme ça, manche courte, qui est vraiment très très bien. Donc c'est un taille S celui-ci. Donc S, enfin moi je rentre parfaitement dedans. Il est comme ceci, il est noir à col V et en fait c'est assez court, ça arrive au bas du ventre mais pas sur les fesses, ça arrête vraiment au niveau des hanches. Ça avec un petit débardeur ou quoi, c'est parfait. Niveau de la qualité, il est génial, il n'est pas abîmé, il n'y a pas de fil qui dépasse. Franchement c'est vraiment un produit, enfin de toute façon tous les produits que je vous montre, on a vraiment l'impression que je les ai achetés en magasin quoi. Ensuite, alors celui-ci, il est sale parce que je devais le mettre au sale, mais je l'ai gardé pour vous le montrer. Je suis trop fan de ce pantalon-là. C'est un pantalon que j'avais vu. Et d'ailleurs, je crois qu'il vient de Kiabi. Je crois qu'il vient de Kiabi, mais de la collection maternité. Je l'avais vu, il coûtait une vingtaine d'euros, je crois. Et là, je l'ai eu à. Je crois que je l'ai eu à 10 euros. C'est un pantalon comme ça. Donc là, vous avez la bandelette. C'est super confortable. Franchement, c'est super confortable. Je l'adore. Et c'est un pantalon effet cuir, en fait, simili-cuir. Qui est comme ça. Franchement, ça donne super bien. Il taille trop bien. Ça galbe bien au niveau des fesses et tout. Enfin, il est trop joli. Je l'adore ce pantalon. J'aime trop, trop, trop le porter. Et il est en super bon état aussi, quoi. Vraiment. Il est vraiment trop, trop, trop joli. Je suis trop fan de ce pantalon. Je le porte très souvent. Ensuite, donc, ça, c'est. Alors, attendez, j'essaie de me rappeler à qui j'ai acheté quoi. Donc, à cette personne-là, je lui ai acheté. Ça et une autre robe qui est ici. Voilà. Donc je lui ai acheté trois robes. Enfin non, deux robes et un haut. J'en ai eu pour même pas 20 euros, je crois. Ou tout juste. Donc en premier temps, je me suis prise celui-ci. Donc là, c'est de la marque Envie de Fraise. Donc Envie de Fraise, pour celles qui sont enceintes, si vous avez déjà allé. Enfin, si vous êtes déjà allé voir un petit peu sur le site, ça coûte quand même super cher. On va pas se nier. Là, j'ai pris ce petit haut-là, gris. Donc. À manches courtes, enfin une sorte de débardeur, mais vous avez également les manches ici. Vous voyez, en fait, vous c'est dénudé juste au niveau des épaules. Et voilà après comment il se présente. Donc il est gris à foufou au niveau du haut. Et après voilà, il est simple, mais je le trouve super joli ça avec un joli petit jean et tout. C'est super mignon avec un petit gilet et tout. C'est vraiment top. Après c'est vrai qu'on arrive en hiver, mais là pour la transition, moi je trouve que c'est parfait. Ensuite, j'ai pris une petite robe comme ça. Donc, pareil, ça vient du site Envie de Fraise. C'est la taille 38-40 également. Donc, c'est une petite robe comme ça, grise. Par contre, elle est très près du corps, très moulante. Et voilà. Là, vous avez l'emplacement pour le bidou. Et après, la robe, elle est vraiment voilà, assez simple. Il me semble qu'elle arrive un petit peu en dessous des genoux. Il me semble bien. Ou au-dessus, je ne me rappelle plus. De toute façon, comme je vous dis, j'essaierai de vous faire les close-up. Et je me suis également pris cette robe-là. Alors ça, faut voir avec des talons parce que je suis très petite. Du coup, c'est vrai que j'ai tendance à marcher dessus. Ou soit ma mère me fera un ourlet, enfin on verra. Et c'est tout simplement une robe qui vient du site Envie de Fraise, encore une fois, en taille 38-40. En fait, celle-ci, je l'ai prise pour Noël. Peut-être que je la mettrai pas à Noël, hein, peut-être que je mettrai autre chose. Mais
principalement pour Noël. Et en fait, franchement, elle est canon. Elle est vraiment très jolie. Pareil, c'est très près du corps. Donc elle est comme ça. Et après, c'est une robe. Là, vous voyez bien qu'il y a l'emplacement pour mettre le ventre ici. Et après, elle est très, 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 très longue. J'essaierai de vous mettre, de faire des close-up encore une fois, hein, pour que vous puissiez voir un petit peu comment elle rend. Mais elle est magnifique, cette robe. Elle est vraiment trop, 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 trop jolie. J'espère vraiment qu'avec des talons, ça ira. Ensuite, donc, je me suis prise deux autres petites choses. Alors, attendez, j'essaie de voir, de vous montrer vraiment les choses que j'ai prises sur les mêmes personnes, enfin, avec les mêmes personnes. C'est pas ça. J'ai tellement de... Je crois que c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pris en premier temps un pull. Enfin, un pull. Une sorte de pull, mais assez léger. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais c'est de la collection maternité. C'est un petit haut comme ça, un peu plus épais que des t-shirts traditionnels, dans les tons un peu gris chiné, comme ça. Que je trouve très sympa aussi, col V. Et après, voilà. Voilà comme il se présente, à manches longues. Ça, pareil, avec un petit jean, c'est nickel. Et encore une fois, je les ai vraiment pas payés cher. Ensuite, je crois que là, le lot que je vous montre, j'en ai eu pour 20 euros, même pas, également. Ensuite, j'ai pris un lot de 3 t-shirts comme ça, donc toujours chez la même personne. Donc, je suis désolée s'il y a des petits poils et tout, parce que j'ai un chat, et malheureusement, des chats, ça fout des poils partout. En plus, moi, il est blanc, donc sur le noir, ça se voit vraiment très très vite. Donc, ça, c'est de la collection Mama, donc maternité, et ça vient de chez H&M. Donc voilà, alors par contre c'est des tailles L, ça me va un peu grand. Je vais pas nier que le L me va un peu grand, j'aurais préféré que ce soit taille S ou taille M. Mais enfin, au moins je suis confortable dedans, sur ça il n'y a aucun souci. Donc c'est tout simplement des t-shirts traditionnels comme ça, tout simple. Donc il y en a un noir, voilà, donc à manches longues. J'en ai également un autre qui est blanc. Donc celui-ci, j'essaie de vous le montrer. Voilà, c'est exactement le même sauf qu'il est blanc. Voilà, après ils sont absolument pas tachés. Bon, là ils sont froissés, etc. Mais après ils sont absolument pas tachés, rien du tout. Et le petit dernier, il est comme ça. Donc là vous devez peut-être le voir noir, mais en fait il est bleu marine. Il est vraiment bleu marine. Et c'est exactement le même. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc ça, je l'ai acheté peut-être 4 euros. C'est toujours pareil, de la marque Envie de Frais, c'est du 38-40. Enfin, j'ai regardé sur internet, ça coûte à peu près 15 ou 20 euros, hein, ces hauts-là. Donc il est comme ça, alors la couleur bleu roi comme ça, je trouve ça juste magnifique. Et c'est en col, c'est vraiment un col décolleté, mais il faut savoir que c'est pratique pour l'allaitement, c'est vraiment conçu pour l'allaitement. Et voilà comment il se présente. Il est super joli. Ça, avec le pantalon de genre simili-cuir, ça fait trop joli, vraiment. J'adore, mais je suis trop contente de mes achats, je vous jure. Ensuite, j'ai acheté une jupe. Alors, la jupe, je crois que c'était du 40 quand je l'ai acheté sur le site. C'était marqué 40. Et en fait, quand je l'ai reçue, c'est du 42. Après, il faut savoir que sur Vinted, si les articles que vous recevez ne vous correspondent pas ou sont abîmés ou sont vraiment pas du tout comme la description que vous avez pu voir, vous pouvez lancer une sorte de litige et vous êtes remboursé sans aucun souci. Hein. Moi je l'ai pas fait parce que porter avec une ceinture elle me va, mais c'est vrai qu'elle me va un peu grande. Je vais pas dire le contraire parce que là c'est quand même du 42 et ouais, ça me va. Enfin, vous voyez, c'est un peu trop grand, mais bon, c'est pas grave. C'est tout simplement une petite jupe comme ça noire, donc elle est toute pleine de poils également et un petit peu mal foutue là. Je sais pas ce que j'ai fait avec, bon, c'est pas grave. Donc là vous avez le coin pour mettre le bisou. Et ici, vous avez tout simplement la jupe. Donc, c'est une jupe noire, toute simple. Et au niveau... Oui, bah si je la tiendrais droite, ça irait mieux. Voilà, là, ça va mieux, vous verrez mieux. Voilà, c'est une petite jupe noire comme ça. Donc, elle arrive au-dessus, enfin, au milieu des cuisses, en fait. Et au niveau de l'arrière, vous avez également des petites poches. Alors, elle est très jolie, mais c'est vrai qu'elle me va un petit peu grande. J'aurais préféré une taille, voire deux tailles en dessous. Je vais pas le nier. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, taille 38-40. Alors ça, je sais pas d'où ça vient. C'est de la ligne maternité. Donc ça fait partie de la collection maternité. J'ai tout simplement pris une petite robe comme ça, noire, à manches courtes. Donc ça, avec un petit gilet assez épais, une petite veste et tout, ça fait super joli. Avec des collants et une paire de talons, c'est parfait. Donc elle est noire comme ça. Et après, voilà comment elle se présente. Je pense que vous voyez assez bien. C'est chiant de vous montrer correctement les vêtements. Bref, c'est une petite robe comme ça, moi, enfin, je suis trop fan. Franchement, je suis trop trop fan.
Ensuite, donc j'ai pris un petit pull comme ça, donc envie de fraise. Par contre, là, c'est taille 40-42. C'est vrai que ça me va un peu grand également. Mais je suis qu'à 5 mois de grossesse. Mon ventre va encore grossir, même si déjà il est bien rond. Je suis quand même à l'aise dedans, ça, il n'y a pas de problème. Donc, il est noir. Ici, vous avez des sortes de petits boutons, mais un vieux doré. Et voilà comment il se présente. Un manche longue. Celui-ci, il est très bien aussi. Moi, j'aime beaucoup ce genre de pull-là aussi. Parce que des pulls, franchement, j'en ai, mais ça me va pas, en fait, ça me va plus. Ensuite, j'ai commandé ce pull-là, donc pareil, en taille 40-42 de la marque Envie de Fraise. Donc les pulls, ça ne me dérange pas de prendre plus cher, parce que si on met des petits hauts en dessous, enfin au moins, on n'est pas serré dedans, même si ça me va un peu grand. Mais ça ira parfaitement, je trouve le pull juste trop joli. Ça, pareil, je l'ai vu sur le site Envie de Fraise, ça coûte assez cher. Là, j'en ai commandé deux autres, je crois, je vais bientôt les recevoir. Donc il est comme ça, il est couleur un peu marron. Vous avez ici un petit nœud, pas blanc blanc, je dirais crème. Et après, voilà, il est assez long hein, pour que ça cache bien le bidou. Et il est trop joli ce pull, j'aime beaucoup. Et la marque Envie de Fraise, c'est vraiment une très 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 bonne marque. Et là, quand je vois la qualité des produits, je suis vraiment ravie. Et pour terminer, donc ça, ce sont des vêtements un vêtement que ma mère m'a donné et que ma belle-mère m'a donné également. Donc je les ai prises parce que franchement, c'est des vêtements que j'aime beaucoup. Donc en premier temps, il y a une petite robe comme ça. Donc je sais pas d'où ça vient par contre. Donc en col V, manche courte. Et c'est une robe assez polaire quoi. Elle est vraiment chaude. On voit bien que c'est quelque chose d'assez épais. Donc parfait pour l'hiver. Vous mettez un collant. Des petites bottines, un petit gilet ou quoi, et c'est parfait. Celle-ci, elle est trop, trop, trop jolie. Ensuite, il y a ça. Donc ça, c'est par passé ce que je l'ai mis. Et du coup, j'ai tout rangé dans mon armoire pour rien oublier de vous montrer. Mais c'est super. Franchement, c'est super. Ça, je l'avais porté avec un legging. Franchement, on est trop, 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 trop à l'aise dedans. Donc par contre, je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Donc c'est couleur pas kaki, enfin kaki marron. J'arriverai pas trop à vous dire la couleur. Ouais, c'est plus un marron quand même. Donc au niveau du haut, voilà comment ça se présente. Ça fait style un peu chemisier en fait. Et après, voilà. Donc en fait, le ventre s'arrête au niveau de la petite lanière que vous voyez. Et ça pendouille en dessous du ventre en fait. Et ça avec un petit legging, franchement, c'est le top. C'est vraiment le top. C'est super confortable en plus, j'ai déjà porté plusieurs fois. Ensuite ici, c'est une robe également, donc dans les teintes grises cette fois-ci. Donc encore une fois à col V, vous avez des petits boutons, vous avez des petites manches courtes. Alors celle-ci est un petit peu plus, elle est pas près du corps, elle est un petit peu plus évasée. Et ça pareil avec des petites bottes style couleur peau, vous voyez camel, beige ou quoi, c'est super beau. Vous verrez la montagne de fringues qu'il y a. Ensuite ici c'est un petit haut comme ça, donc ça pareil avec un petit legging, un petit jean, ça passe vraiment très très bien. Et ce qui est bien, c'est que voilà, ici, vous pouvez allaiter facilement sans pour autant tout enlever votre haut, quoi. Donc ça, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Hop. C'est une sorte de tunique, en fait. Tout simplement. Donc voilà pour ça. Ensuite, ici, j'ai une autre robe ou tunique. Après, à voir où ça va m'aller, parce que moi, je suis petite, donc il y a des tuniques qui me font vraiment robe. Ça, c'est d'une taille 36. Ça vient de chez Etam. Donc, c'est gris et noir. Et ce que j'aime bien, c'est au niveau du bas. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est tout en froufrou dentelle. C'est super mignon. Et je suis contente parce que je rentre dans du 36. Mais c'est des 36 quand même assez élastiques. Ensuite, donc ça, c'est deux chemisiers. Alors ceux-là, je ne les ai pas encore portés. Je ne les ai pas essayés non plus. Je ne sais pas ce que ça va donner. Après, ce n'est pas le genre de vêtements que j'achèterais moi-même en fait. Pas du tout. Mais avec la grossesse, je me suis dit pourquoi pas, c'est assez ample. Donc il y a une première chemise comme ça qui est dans les. Enfin ouais, c'est orange. C'est orange. Comme ça. Hop, j'essaie de vous montrer correctement. Voilà. Orange à manches longues. Après, c'est quelque chose de assez fin, hein. Faut mettre quelque chose en dessous. Mais après avoir porté, j'ai vraiment pas l'habitude de porter ce genre de choses. Ensuite, ici, j'ai une autre petite chemise. Alors, je sais pas si c'est les mêmes. Non, je pense pas. Dans les tons gris-bleu. Ouais, gris-bleu. Donc, voilà, à manches longues également. Vous avez également des boutons
au niveau des manches pour resserrer. Ça, je pense qu'avec un jean ou quoi, ça peut faire classe. Et pour terminer avec ce haul, et après on en a terminé, je pense qu'il est déjà bien long. En fait, je regardais sur internet, je voulais une robe, mais une robe pull. J'en avais une à l'époque qui aurait pu m'aller également maintenant, mais je sais pas où je l'ai mise. Je sais pas où je l'ai mise, j'ai dû l'ajouter. Du coup, j'ai demandé à ma mère si elle avait pas une robe pull à me dépanner, et du coup, elle en a trouvé une. Bon, j'aurais préféré noire, mais bon, ça change un petit peu, donc ça vient de chez Mime. Par contre, au niveau de la taille, je sais pas combien c'est. Donc c'est une robe pull comme ça, franchement c'est super épais. Celle-ci je l'ai déjà portée avec une petite ceinture, des petites bottines, une petite veste et tout. Enfin, franchement vous êtes bien. Donc c'est vraiment de la grosse laine. Il est couleur crème à manches longues. Vous avez également les trucs ici pour passer la ceinture. Et après voilà, c'est une robe pull toute simple. Mais elle est vraiment 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 très très bien. Moi elle m'arrive au-dessous des genoux. Mais avec la ceinture, moi je remonte un peu, ça m'arrive au-dessus. Et franchement, c'est super sympa. Vous avez bien chaud dedans quand il fait bien froid. Donc c'est top. Ben écoutez, voilà un petit peu pour ce haul qui était bien long. J'ai énormément de vêtements, mais moi ça me va parce que j'aime bien changer. J'en ai marre de m'habiller toujours pareil. D'ailleurs, ça, ce haul-là, c'est un haul que ma belle-mère m'a donné. Bon, c'est pas spécialement grossesse, mais c'est un petit pull comme ça, près du corps, qui me va parfaitement. Mon ventre passe parfaitement dedans. Et voilà, je voulais absolument vous montrer ça parce que si vous êtes enceinte et que vous voulez vous rhabiller mais que vous voulez pas mettre des masses dans des vêtements de grossesse, que je peux comprendre tout à fait parce que c'est très cher pour le peu de temps qu'on les porte, je vous invite brièvement à aller soit sur Babytrock 11, mais si vous êtes vraiment du 11, sinon sur Vinted. Vinted, vous avez toute une catégorie spécialement conçue pour la grossesse où vous avez des vêtements, vous avez des sous-vêtements, des pyjamas, vous avez énormément de choses, des accessoires aussi d'allaitement, tire-lait, coussins d'allaitement, enfin il y a énormément de choses, donc je vous invite vraiment à aller y jeter un petit coup d'œil. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao!